Hey yo tout le monde, c'est Utiteuf, c'est mercredi et on se retrouve pour un nouvel épisode de Pixelmon. Oui, vous le savez, maintenant le mercredi c'est Pixelmon et le samedi c'est Pixelmon et toute la vie c'est Pixelmon, voilà. Donc globalement j'avais dit, ouais, je ferai probablement des Pokéballs entre les deux épisodes. Eh bien non, non, pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai décidé, de manière totalement décisive, de faire en sorte que le mercredi, ce serait un épisode non pas de Pixelmon en mode on va jouer avec des Pokémon et tout. Non, ce va être un épisode de Pixelmon où déjà je vais mourir, mais également on va faire du Minecraft tout simplement. Je vais faire juste un truc, toc, option, musique off, ok, ce son est bon, ok, c'est très bien. Voilà, donc c'était cette petite information pour vous. Bah, est-ce que j'ai de la bouffe? J'ai pas de bouffe, j'ai rien. Wax sapling, birch sapling. J'ai pas de bouffe. Bon, bah écoutez, hein, on connaît le tarif. Merde. On connaît le tarif, j'appuie sur des boutons. Assez... Bon, déjà, ça m'énerve dans cette maison. Y'a pas de coffre. Donc, ça m'énerve qu'on a pas de coffre. Donc, on va faire ça. Un petit coffre, là, alors on le met là, foup, et là, voilà, allez, on s'en va. Non, parce qu'il y a un moment, ça saoule. La cobblestone est jolie, hein. Elle est grave jolie, hein, je crois que je vais faire des trucs en cobblestone. Ah, je peux pas tout faire, bon, tant pis. Il y a des gens, ils m'ont dit, ouais, Steve, fais le truc, keep inventory, machin. Oui, mais non. Voilà, pas envie. Allez, suicide. Et voilà, cette fois j'ai réussi, parce que d'habitude j'y arrive pas. Attendez, il a un chapeau? Il a une casquette? Non, il a pas une casquette, ok, donc tout va bien. Donc vous m'avez tous dit, ouais, NT, il faut faire un escalier parce que ça nous saoule de te voir galérer à chaque fois. Et j'ai perdu mon pantalon. Et, ah, attendez. Toc, c'est bon. Il n'y a pas d'autre objet? Oh chut, arrêtez de faire du bruit les Pokémon. Bon, moi j'ai dû perdre le reste de mon inventaire. Tant pis. Ou alors j'avais peut-être pas une armure complète, ce qui est fort probable. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est que aujourd'hui, on a décidé... Je vais juste un petit peu mieux mettre le micro. Parce que, histoire que vous m'entendiez de manière correcte... Putain, il descend tout seul. Espèce de bâtard. Oui, je règle le micro. Oui, je règle le micro pendant les trucs. Voilà, là c'est bon. Je crois. Non, c'est pas bon. Là, c'est bon. Bon, voilà. Donc, vous avez dû avoir les oreilles totalement défoncées. Et donc, Osef, ce qu'on veut faire, c'est que on veut faire des escaliers pour pouvoir monter tranquillement. Donc, voilà. Donc, pour ce faire, il va tout d'abord falloir qu'on se fasse une hache pour récupérer un peu de bois parce qu'il me semble que du jungle wood, on a plus beaucoup. Si, on a pas mal. On a ça, ok. Ça devrait suffire pour faire ce que je veux faire. Donc, on va... Donc déjà, on met tout. Et puis là, poum, merde. Bon, alors, cette fois, on le refait. Voilà. Toc. 40 escaliers, ça devrait largement le faire. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire quelque chose qui puisse nous faire entrer dans notre maison. Mais pas forcément par l'extérieur, vous voyez, parce que l'extérieur, pour moi, c'est quelque chose qu'on doit garder assez visible, assez tranquille. On a une pickaxe qui est là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en refaire une. Toc, comme ça. Merde, j'ai pas de cobblestone, on l'a laissé ici. Toc, cobblestone. Tac. Foup. On va se refaire une pioche parce que on en aura besoin. Et puis, pourquoi pas se faire une pelle. C'est toujours ça de fait, puisqu'on va devoir casser pas mal de choses. Donc, moi, ce que je dirais bien, c'est que on ferait une entrée, mais qui arriverait genre par ici, dans la maison, ou par là, vous voyez. Enfin, en tout cas, qui n'arriverait pas par où on le pense, quoi. Donc, moi, ce que je dirais, c'est qu'on va commencer par creuser par ici. Tac, 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 tac. Ok. Donc voilà, donc en fait ce serait une entrée, ouais, qui va faire ça. En fait, on va carrément faire
Ah ouais, on va faire une petite plateforme, un truc assez sympathique. Assez sympathique, je l'espère. Ouais. J'espère que ce sera assez sympathique. Parce que ce serait cool. Est-ce que je peux prendre... Bah, je vais reprendre du Jungle Wood. Puisque j'en ai quand même assez, globalement. Et donc, on va délimiter la sortie par ici, par là. Enfin, on va dire que la sortie est ici. Tout simplement. Toc. Toc. Voilà, on se fait un truc comme ça. Bon, pour le moment, c'est peut-être pas très beau. Mais c'est en devenir. C'est en devenir, disons-le. Voilà, j'étais sûr que j'allais me faire. C'était sûr. J'ai pas de dirt. J'ai rien comme dirt, c'est chiant. Voilà, un petit peu de dirt, ça fait jamais de mal. Toi, tu te dégages. Ah si, j'en avais. J'en avais de la dirt. Bah oui, j'en ai cassé. Foup. Ok. Donc là... Choc, comme ça on peut faire le cassage par ici. Ça c'est une petite fleur qu'on casse également. Voilà, comme ça on peut faire l'entrée par ici. Puis là aussi peut-être. Je déteste quand il y a du bois et qui vient se foutre à l'endroit où je veux pas. Voilà, donc ça va être par ici. Et puis on va faire une autre entrée par là. Donc genre... ça me vient. Tac. Tac, tac, tac. Tac. Ok. Et donc là, par ici, ça va se jouer comme ça. Toc. Toc. Étant donné que c'est des entrées un petit peu pas très belles, c'est normal. Oui, ce que je lis est à peu près bizarre, mais voilà. Étant donné que c'est des entrées que j'ai pas vraiment envie qu'elles soient très belles, et ben elles sont pas très belles. C'est encore moins... Ouais, on est d'accord. Je dis vraiment de la merde. Qu'est-ce que je peux mettre de truc là-haut? Sandstone, c'est pas beau. On verra. Bon, on va rester sur du bois. On va rester sur du bois qu'on va mettre par ici. Donc alors, on va se faire une descente. Tout simplement. Par ici. Par contre, là, j'ai peur que... Ouais, c'est ce que je me disais. J'ai fait un petit peu du caca. C'est dommage. Touk, vas-y, reviens là. Eh ben, on peut partir en avant, en fait. Finalement, on va partir en avant. On va se mettre de la dirt par ici. Ouais, si on part en avant, c'est pas plus mal. Ça nous fait... Ouais, c'est possible. On va partir comme ça. Bon, ici on va faire des petits trucs pour descendre parce que sinon ça m'énerve. Ok. Voilà. Là on est bon. Et donc par là en fait il faut qu'on mette un petit peu de terre comme ça. Poum. Voilà. Et là on va descendre de quelques blocs. Genre, tac, tac. Tac, tac. Là on va descendre encore. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, le mercredi c'est épisode Minecraft. Enfin du moins c'est Pixelmon, mais c'est un épisode plus orienté Minecraft. Et le reste du temps ce sera des épisodes plus orienté Pixelmon tout simplement. Donc alors ici, que je fasse pas de conneries. Oui, ici il faut que je le casse celui-là. Si je veux faire ce que je veux. Tac, voilà, et là je fais ça. Voilà, superbe. Touk. Voilà, là on est comme ça. Et donc ici, ce qu'on veut faire, c'est descendre par là. Il me semble qu'on va être bon. Je vais juste regarder par sécurité à quelle couche est-ce qu'on arrive par là-bas. Pour voir s'il faut que je descende en 1 ou en 2. Genre, imaginons qu'on veuille arriver... par ici. Il faudrait qu'on aille en couche. Alors F3 en couche 62. 62.
Ok, donc je suis désolé, je vais laisser les coordonnées. Ah bah non, je les ai en haut, les coordonnées, je n'ai rien dit. J'ai rien dit. Donc 62 ou 63, on verra. Du coup, oui, c'est vrai que je les ai en haut sur la mini-map, j'y avais pas pensé. Et c'est tout autant cool. Voilà. Donc là, je suis en couche 69, 68. Ouais, en fait, on va faire un déplacement en face, mais de 2. Enfin, vous allez voir ce que je veux dire. Par exemple, là, j'ai pas descendu tout de suite, j'ai fait ça. Là, poum, 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 poum. Tac, 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 tac. Alors, je suis pas sûr de ce que je fais, mais globalement, c'est comme ça que je le verrais, moi. Touc. Ok, là, on a fait deux encore. Du coup, là. Ah bah, il y a du charbon par là. Touc. Touc. Je veux pas forcément qu'il y ait du charbon, mais bon, si on a, pourquoi pas, hein. On va faire avec, hein. On va voir si j'ai raison dans ce que j'ai fait. On va vite pouvoir le savoir. Eh ben écoutez, j'ai envie de vous dire, ça m'a l'air grave bon. Hop! Eh, ça. Ça. Oh merde. Un Spyro. Je sais pas ce que c'est quoi? Ah, c'est lui! Il est pas. Non, pas chaud. Ember. Ok, il est mort. J'avais dit pas de Pixelmon dans cet épisode, hein. Vous êtes méchant, le monsieur, hein. Ok. Donc, là, on est bon. Donc, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on décape un tout petit peu plus par ici. Genre comme ça. Comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça. Et là, comme ça, comme ça. Ok. Donc, ici aussi. Fou. Et là, donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que on met ça là. On met ça là, on met ça là. Genre ça s'est mis en bas. Allez, vous y croyez ça? C'est parce que j'ai pas cliqué sur la bonne case, je crois. On met ça là. On met ça là. On met ça là. On met ça là, mèche! Allez, donc ça c'est bon, ça me paraît bon, donc on sera pas mal pour tout ce qui est... Bon, par contre ça m'énerve qu'il y ait du charbon, quoique c'est pas très très grave, hein. Faut me dire. Par contre là c'est vraiment pas beau, hein. Autant prendre de la cobble et puis de la mettre, hein, quoi. Ok, ça fait pas beau avec de... Enfin si, la cobble est classe, hein. Franchement, étonnamment, je préfère la cobble que la pierre lisse là, clairement. Du coup, c'est-à-dire qu'on peut faire des escaliers en cobble qui sont grave magnifiques. Bon, pour le moment, on va laisser de la cobble comme ça ici. Même si à terme, j'ai pas du tout envie qu'on mette de la cobble. Mais déjà, ça me paraît plutôt cool. Enfin voilà, ça va nous permettre de monter. Ça va me permettre de monter sans que vous m'engueuliez, quoi. Je réfléchis à des trucs, mais voilà. Des petits moments, je réfléchis comme ça. Donc, pour le chant, j'ai pensé à des choses. Je me suis demandé si c'était vraiment idéal, la façon dont il était fait. Et donc, du coup, je me suis dit qu'on allait peut-être changer ça. Déjà, l'endroit où il est, c'est pas si mal que ça, mais je trouve pas ça forcément super cool. Donc du coup, j'aimerais bien tenter de partir sur autre chose, en fait. Le mettre autre... Enfin, il est pas mal ici, on va le laisser, mais pour le moment, en fait, je pense que ça restera juste un champ de base, comme ça. Moi, ce que je veux faire, c'est quelque chose de plus fonctionnel. Quelque chose surtout qui va nous permettre, ben, tranquillement de faire pousser nos arbres. Alors vous savez qu'ici on a de l'eau.
Et je me suis dit que ça pourrait être cool justement de se servir de l'eau en fait pour faire un champ. Alors je vais m'expliquer. Là, on a une eau sympathique, une étendue d'eau, même plus par ici. Ouais, par ici, voilà, on a une étendue d'eau sympathique. Et donc ce qu'on va faire, c'est que là, je vais mettre de la terre, et là, je vais la casser. Et donc on va partir sur un petit champ sympathique qui sera... on va avoir l'impression qu'il flotte sur l'eau, quoi. Donc du coup, ça va nous permettre de faire pas mal de choses, enfin des trucs assez jolis, quoi. Donc là, j'essaie de voir jusqu'où on va. Voilà, on est comme ça. Alors, sachant que le but, ça reste quand même d'avoir la plus grande surface possible, et pourquoi pas un champ qui tourne. Donc là, je fais ça, et là, je vais pas aller tout au bout. Quoique, attendez, je vais juste faire ça. Voilà. Comme ça va nous permettre de pouvoir faire une brique de plus par ici. Et c'est déjà ça de gagner. Tac. Tac. Voilà. Et je peux même, si on va faire ça, faire des petits trucs comme ça. Hop. Un. Tac. Tac. Je regarde, hein, je regarde les gens. Ouais, on va faire ça comme ça. Là, je vais casser ça ici. Voilà. Puis celui-là aussi, comme ça fera plus correct. Et puis là, je peux continuer comme ça. J'aime bien la symétrie, j'aime bien quand c'est symétrique quand même. Donc du coup, on continue sur cette lancée-là. C'est vraiment pour que ce soit joli, hein. Je sais très bien qu'il y a... Enfin, il me semble qu'il n'y a pas besoin forcément d'eau pour faire un champ de d'arbres, mais c'est pas très grave. Bon, vous avez sûrement entendu ma sonnerie, c'est le voisin, enfin un voisin qui s'est trompé de sonnette. Ça me saoule les trucs comme ça me saoule. Mais je sais pas trouver l'endroit où est ma sonnette. Ouais, non mais enfin, sérieusement, quoi. Alors, tac. Donc je prends un petit peu de terre, hein. Je sais que je décime un petit peu, mais de toute façon ça va repousser. Il n'y a aucun problème. Alors, donc on part comme ça, et puis là, selon moi, je suis allé un petit peu loin. Ce que j'aurais voulu, c'est aller... Tiens, écoutez, on va... Déjà, je vais récupérer ça. On va compter combien on en a de cubes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 blocs comme ça. Et donc, dans l'autre sens, j'avais compté le premier, il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et ben voilà, c'est parfait. On va jusqu'à ici. En plus, ça correspond à ce que je voulais faire. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, c'est pas mal. Donc, du coup, ça me fait une distance de 6. Je vais recompter juste pour voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On est bien bon. Et donc là, si j'en rajoute 5, ça fait quoi? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ce que je vais faire, c'est que j'en rajoute un sixième par ici. Comme ça va nous permettre quelque chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Voilà, super. Touc. Donc ici, ça nous permet d'en rajouter un comme ça. Là, et ce qu'on va faire, c'est que on fait ça. On fait ça. Du coup, j'ai un peu chié au niveau de l'eau là. On va faire ça. Voilà. Là, le courant est revenu bien. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc le sixième, faudra le mettre là. On va faire ça. On fait ça. Touc. Là, on est cool. Hop. Hop. Tac, tac, tac. Et tac. Et tac aussi. Voilà, comme ça, c'est mieux. Et donc ici, je vais récupérer un petit peu la terre et tout ça, parce que j'en aurai besoin. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, on est presque raccordé. Et donc, du coup, là, je fais tac. Là, je fais tac. Et là, je fais tac. Et voilà. Et bah, écoutez, je trouve qu'on est pas mal. On a un truc assez symétrique. Bon, pour le moment, vous voyez peut-être pas trop ce que ça donne. Mais moi, j'imagine bien tous mes petits arbres par ici qui vont être tranquillement mis par ici. Bon, ici, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aplanir le terrain parce qu'il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de besoin au niveau de... Enfin, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir un relief par ici. Du coup, bah écoutez, on a plané un petit peu comme ça. Et puis donc dans le prochain épisode, ce qu'on fera, c'est qu'on fera une jolie séance Pixelmon, mais vraiment, vraiment Pixelmon. On va vraiment user du mod. Vous me connaissez, quoi. On va user du mod à ma façon, quoi. Mais je vais essayer de rendre ça assez cool. Puis voilà, je me dis que deux épisodes de Pixelmon, ça peut être cool. C'est du Pokémon, mais c'est également du Minecraft. Et moi, j'aime bien Pokémon, mais également Minecraft. Donc, là, on est bon. Là, on est bon. Ce qui serait cool, et ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais relier un endroit. Tiens, je vais relier par ici. Voilà. Parce que si je relie pas, je vous explique, hein, si je relie pas ces endroits-là à un pan de terre, à un pan de terre avec de l'herbe, avec un pan d'herbe quoi, l'herbe se propagera pas en fait sur le reste des blocs. Et ce serait dommage qu'on ait que de la terre. Moi je préfère que ce soit de l'herbe quoi. Après ça peut être aussi une astuce pour vous pour avoir des trucs uniquement de terre. C'est de ne pas mettre de trucs comme ça autour. Donc il me semble que si vous mettez un autre bloc, genre de la stone autour, et que vous la bloquez bien, qu'il n'y a aucun truc qui touche de l'herbe, et ben c'est bueno et vous n'aurez pas de propagation. Voilà. Donc là ça va se propager petit à petit, ça va même être plutôt long. Donc ce que je vais faire, c'est que pour réduire un petit peu le temps de cette propagation, je vais relier d'autres endroits. Je vais relier méthodiquement. Genre celui-là, je peux parce qu'après, ça va pas créer de problème. Lui, je peux aussi le faire parce que ça va pas créer de problème. Là, je peux tenter de faire ça. Comme ça, puisque ça va se propager là, puis là. Et puis, on est pas mal. Je vais peut-être en rajouter un tout petit par là. Toc. Bon, ici, ouais, c'est bien aussi. Voilà, et donc théoriquement, si je dis pas de conneries, ça va se propager petit à petit sur notre truc. Bon, là, vous avez bien remarqué que c'était pas encore fermé. Hein, vous inquiétez pas, j'ai vu. J'ai totalement remarqué. Il est vachement gros, ce type au roi, là. Bref. En tout cas, les gens, c'est ainsi que se termine cet épisode. Et oui, on est déjà à la fin. Du 8e épisode de Pixelmon. J'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, un petit commentaire. Et puis écoutez, je remercie également mon école éthique qui me soutient. D'ailleurs, en cliquant sur le lien qui apparaîtra juste après la vidéo, vous pouvez voir une petite page sur moi et certains des projets que j'ai fait dans mon école. Ça peut être sympa que vous y jetiez un coup d'œil. Enfin voilà. Et on se retrouve, écoutez, très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, vous le savez, n'oubliez pas, restez comme vous êtes super. Bye tout le monde !